Aujourd'hui, je vais cuisiner un plat indien qui sera très facile à faire et très bon. Et j'ai la chance de le cuisiner dans ce beau château. Bienvenue sur ma chaîne Shalini in France. Dans cette vidéo, je vais préparer un plat indien qui s'appelle Chicken Stew pour mes amis français. C'est un plat d'origine anglaise et était modifié par les Indiens. Pour cette recette et pour 4 personnes, il faut un poulet entier d'un kilo et également un kilo d'oignon que j'ai coupé en lamelles. Quelques feuilles de laurier, ça c'est du cannelle, du cardamome, des clous de girofle, 7 ou 8 gousses d'ail, le gingembre, ça c'est un mélange des graines de cumin et de coriandre. Ce sont des poivres entiers. Donc tous ces épices là, qui sont là, c'est ce qu'on trouve dans ce mélange qui s'appelle garam masala, à l'exception du gingembre et de l'ail, bien sûr. Absolument, okay. Oui, exactement. Et parce que je prépare ce repas pour des amis qui ne mangent pas des plats relevés, donc c'est pour ça que j'ai mis que de piment rouge. D'accord. Maintenant, je vais commencer à couper le poulet. Très bien. Bonne découpe. Bonjour. Ça, c'est mes deux jouets. Et ça, c'est notre table pour manger. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi t'as mis ces jouets-là, Tristan? C'est pour décorer la table. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont? C'est des jouets indiens? Oui. D'accord. C'est quoi ça? C'est un taxi? Ça, c'est un taxi. Et ça, c'est un rickshaw? Ouais. D'accord. Très bien. Je te remercie. Oh, il a mangé. Je fais cette recette depuis 10 ans et chaque fois que je le fais, c'est toujours une réussite. Je n'aime pas le gâchis, donc je vais garder tout ça. Je vais le mettre au congélateur et je vais l'utiliser pour une prochaine fois, pour un autre plat. Oh, il y a deux chats. J'ai coupé tous les morceaux de poulet. Ça, c'est un peu grand, donc je vais le couper pour faire petit. Je n'ai pas besoin d'huile. Lorsque la casserole est chaude, je vais mettre les oignons, puis le poulet, les épices à la fin. La casserole est chaude et je peux verser tous les oignons. Ici, j'ai choisi un mélange d'oignons indiens et d'oignons jaunes. Vous pouvez utiliser les oignons que vous voulez. Je mets maintenant le poulet au-dessus. Et je mets tous ensemble. Pendant les 10 premières minutes, mettez sur feu fort. Couvrez partiellement et laissez mijoter à feu moyen pendant une heure. Je le remue maintenant un petit peu afin que tous les ingrédients soient bien mélangés ensemble. N'oubliez pas d'ajouter du sel au début de la cuisson. Pour accompagner le poulet, je fais un palao. Le palao, c'est du riz avec des légumes. Maintenant, ça c'est les concombres râpés et j'utilise ça pour faire de raita. Et le raita, c'est un mélange du yaourt et des légumes dedans. Et on peut l'avoir en même temps avec la palao et la chicken stew, ou on peut l'avoir aussi comme une entrée. Pour mon raita, j'utilise un concombre râpé mélangé avec un demi-pot de fromage blanc, un peu de sel et une demi-boîte d'ananas coupée en morceaux. Si vous voulez un vrai raita indien, vous pouvez ajouter du chaat masala que vous trouverez facilement dans les épiceries indiennes.
Le temps de cuisson du poulet est à peu près d'une heure afin que toute l'eau produite par les oignons s'évapore. Pendant ce temps, dans de l'huile d'olive, je fais frire quelques rondelles d'oignon pour la garniture de mon palau. Et Pierrette, est-ce que tu as vu de ce château? C'est le même château? Bien sûr. Et la photo a été prise il y a combien d'années? Oh, c'est difficile à dire, il n'y a pas la date. Je pense que c'est au début du 20e siècle. Début du 20e siècle. C'est, en fait, le château n'a pas changé. La cuisson du poulet est presque terminée. Après que toute l'eau des oignons soit évaporée, j'ajoute 3 cuillerées à soupe de yaourt nature. C'est triste. Voilà, et puis tu l'avais déjà goûté. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est joli, hein. Alors, ça existe dans plusieurs pays, c'est que pas en Inde. Il y a aussi en Afghanistan, en Iran, il existe là. Mais il y a toujours les noms un peu différents. C'est la pilaf. Pilaf. Ah oui, c'est l'équivalent d'un riz pilaf. Pierrette, tu m'as dit... Non, pas plus que ça. Mais cette quantité à tout le monde, après on se resserre si on veut. Okay. Parce qu'en Inde, ils mangent beaucoup de riz. Et nous, on n'a pas l'habitude de se faire des assiettes énormes de riz et de se resservir après. Vous avez l'habitude de manger du riz, nous on l'a pas. Donc, vous savez, les cardamomes, on ne le mange pas. Le cardamome. Ça, c'est cette graine-là. Le cardamome. Oui, le cardamome. Ah, ça ne se mange pas, ça? Non. Ah bon, c'est pas là, nous. Oui, et aussi les clous de girofle. On ne peut pas les manger. Oui, non. En Inde, on ne les sait pas. Il reste quand même quelque chose à manger, je sais. On met du pain quand même, non, peut-être pas. Ben non. Ben, on pourrait, nous. Oui. Et est-ce que tu fais aussi le pain indien, le naan. Tu en fais ou pas vraiment? À la maison. Oui, c'est un peu compliqué pour moi. C'est ma maman. Tristan. Oui. Mais il y a des autres. Ne touche pas ce téléphone. Il y a pain comme le rôti ou le turc. Ça, je fais à la maison. Oui, ça, c'est pas compliqué à faire. C'est très bon le riz pilaf. C'est bon, Charles? Elle est très maniaque par rapport Je suis très maniaque par rapport à la symétrie. À la symétrie, le centrage. Voilà. Donc ça, c'est un petit mélange de rhum, mais du rhum dessus, mélangé avec du caramel. Mmh. Voilà, et là, bon, si on veut du caramel en plus, mais il y en a déjà en dessous. Un petit peu, ce qu'on va expliquer, s'il te plaît. D'accord. Voilà. Attends, ne mets pas ton doigt. Attends.